Ce flash vous est présenté par Technolabista et Acadie Informatique. ESG, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Parce que l'information est l'oxygène des temps modernes. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce flash d'information. L'actualité nationale pour débuter ces flashs. La compagnie Air France a annoncé hier la suspension de ses liaisons avec notre pays, bloquant ainsi des centaines de voyageurs. Une pression de plus sur le gouvernement de la transition qui n'est pas sans effet sur la population. Au Burkina, dans la matinée de ce jeudi 13 janvier, des hommes armés non identifiés ont attaqué un poste de contrôle de la police nationale. L'incident s'est déroulé à la sortie ouest de la ville de Gorum-Gorum. Le bilan fait état d'au moins d'un policier tué. Toujours hors de nos frontières. Après 7 mois de suspension, Twitter est de retour au Nigeria. L'accès au réseau social avait été bloqué en juin dernier par les autorités, qui reprochaient aux dirigeants de Twitter de s'immiscer de manière suspecte dans la vie politique du pays. Le réseau social se mettra en conformité avec la législation nigériane en ouvrant un bureau dans le pays et en collaborant plus étroitement avec les agences étatiques, qui auront a priori un droit de regard sur les publications mises en ligne. Au Soudan, pour boucler ces flashs, un manifestant anti-Push et un général de police ont été tués jeudi lors de nouvelles manifestations à Khartoum contre le coup d'État, faisant redouter une nouvelle flambée de violence dans le pays quelques jours après le lancement d'un dialogue sous l'égide de l'ONU. C'est tout pour ces flashs d'informations. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Actuel Média. Nous sommes le média de la proximité. Ce flash vous est présenté par Technolabista et Acadie Informatique. ESG, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.